بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، أعزائي عزيزاتي، أصدقائي صديقاتي، أعدائي عدواتي، mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous aime beaucoup, beaucoup, et j'apprends de vous. Et je m'excuse si parfois, sans faire exprès, je vous vexe un peu, je vous secoue un peu, je vous perturbe un peu. Je m'en excuse. Bonjour, bonsoir, bon appétit. Bon, ce que vous voulez, mes frères et sœurs non musulmans, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. On entre directement dans le vif du sujet, toujours avec les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le postulat de base, c'est que Muhammad est un imposteur. Il a inventé une parole qu'il a appelée le Coran. Rappelons qu'il a existé il y a plus de 1400 ans. Il a vécu avec des Arabes qui n'ont rien apporté à l'humanité avant son arrivée, et qui n'était rien dans les annales de l'humanité avant l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et essayons de comprendre, je pose toujours la question, comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc parmi les choses qu'il a inventées, il a inventé le Ramadan. Le Ramadan, un mois de jeûne que les musulmans jeûnent partout dans le monde depuis plus de 1400 ans. Chaque année, une fois par an, ils ont un mois qui s'appelle le Ramadan. Je vous demande comment il a fait, parce qu'il a inventé tellement de choses, et tu te dis, mais il faut plusieurs vies. Non, il faut une infinité de vies pour mettre en place tout ce qu'il a mis, et même une infinité de vies ne peuvent pas suffire. Donc il faut une intervention autre qu'un simple humain pour faire ce qu'il a fait. Donc le Ramadan, je laisse une qui a connu votre culture, d'accord, et qui a atteint une des explications du mois de Ramadan avec son cœur et sa tête. Bismillah. Regardez ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, Diams, avant que je ne connaissais pas l'islam, je considérais cette pratique comme une coutume, un événement culturel. Donc, je considérais cette pratique, le ramadan, comme une coutume, un événement culturel. Depuis sa reconversion à l'islam, depuis qu'elle a ouvert le cœur à l'islam, elle dit, depuis, j'ai découvert qu'il s'agit avant tout d'un acte d'élévation spirituelle. Un acte d'élévation spirituelle. J'ai lu plusieurs ouvrages sur le sujet, j'ai appris que, au-delà de la privation de nourriture et de boissons, entre le lever et le coucher du soleil, le ramadan est une grande école pour l'âme. C'est polytechnique pour l'âme, c'est HEC, école de commerce, c'est centrale pour l'âme. Durant ce mois, nombreux sont les croyants qui se rapprochent de Dieu. Donc comment a fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour continuer à influencer la vie de milliards de personnes? Depuis sa mort, les musulmans, chaque année, majoritairement, 99,99%, s'appliquent, s'intègrent, se laissent porter et transporter dans cette école ramadanesque. Donc, durant ce mois, nombreux sont les croyants qui se rapprochent de Dieu. On se détache de la nourriture et des instincts primaires pour élever son âme. On se souvient de ceux qui ont faim et qui n'ont pas de repas pour lequel se réjouir le soir venu. En ressentant la faim que subissent les pauvres, on réalise à quel point nous sommes épargnés. Alors, on essaie de concrétiser ces sentiments de compassion en une aumône, en un geste vers celui qui souffre. On invite celui qui est seul, on partage son repas. Beaucoup de musulmans y trouvent également une occasion d'arrêter de courir.
Et ça, c'est partout dans le monde. Il n'y a pas une contrée de la Terre qui ne fait pas la même chose, subhanallah, où les musulmans ne font pas la même chose. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était arabe, c'est le cas de 90% à peu près, ou allez, 80%, on va faire plaisir aux statistiques les plus, hein, 80% de musulmans qui ne sont pas d'origine arabe pratiquent la même chose, pratiquent le ramadan. Donc comment un seul humain a pu influencer à ce point des milliards et des milliards de personnes? Ils prennent le temps de se retrouver en famille, à la mosquée. Ils font une pause pour réfléchir et se remettre en question. Nous courons sans cesse, courir, toujours courir. Courir à la quête du bonheur, partir et remuer ciel et terre. Le chercher dans l'argent, les gens, une carrière, la célébrité, dans l'amour des autres, dans un ailleurs toujours plus lointain, dans des émotions toujours plus fortes. Se dire ensuite qu'il n'existe pas, mais le chercher quand même, toujours plus ardemment, puis parfois noyer son désespoir dans l'alcool, la drogue, les médicaments ou autres. En bout de course, penser que, puisque la mort nous attend, la vie n'a aucun sens. Car s'il y a bien une certitude, c'est que l'on va mourir, quand Dieu seul le sait. Dans notre tombe, nous n'emporterons rien, ni argent, ni voiture, ni maison, ni enfants, ni bijoux, ni vêtements, rien. C'est étrange, mais lorsque j'évoque la mort, j'ai le sentiment de parler d'un tabou, dont notre société, on esquive le sujet. Vivre pour mourir est absurde. Vivre pour mourir est absurde. Me répétais-je sans cesse, si absurde, me semblait-il, qu'à l'époque, le suicide me paraissait la chose la plus logique à faire. La lecture du Saint-Coran, inventée par Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, m'a éclairé sur le sens de la vie et le sens de cette mort si certaine. Dites-moi comment un homme du désert, de la péninsule arabique d'il y a 1400 ans, homme unique, il n'y a pas un homme qui a vécu à la même époque que lui, il n'y a pas un seul qui influence à ce point la destinée de milliards et de milliards et de milliards de personnes partout dans le monde. Un bon homme peut vivre et peut répéter ce que Diam se répète en Suède, un autre en Sibérie, un autre en Chine, une autre au Bangladesh. Partout dans le monde, subhanallah, il y a des gens qui vivent, et encore mieux, et plus, et intensément, ces concepts que Diams explique et vit, subhanallah. Si on se cachait à nous-mêmes les véritables questions existentielles, comment vivre sans savoir d'où l'on vient et où on va? Et c'est, comme par hasard, Muhammad qui aide notre sœur à répondre à ces questions. Dites-moi comment il a fait. On se cache derrière des phrases du type parler de religion, c'est mal. Mais d'où viennent ce rejet et cette méfiance? Parfois même cette haine pour des sujets qui peuvent être profonds, enrichissants et importants. Est-ce le matérialisme ravageur? La société nous a-t-elle rabaissés au rang de consommateurs dénués de toute spiritualité? Est-ce l'angoisse à l'idée d'une probable vie après la mort? Est-ce la vie qui file si vite que le temps nous manque pour réfléchir à son but? Le Carpe Diem de John Keating a-t-il tant marqué notre génération? On essaie de se convaincre qu'on est heureux, que la religion est réservée aux gens perdus, paresseux et faibles d'esprit, que la vie est brève, qu'il faut profiter, qu'on dormira quand on sera mort. Je me souviens d'une amie journaliste avec qui j'avais dîné peu après ma conversion. Elle avait remarqué mon changement et respecté ma décision de ne plus donner d'interview, tout en se posant quand même pas mal de questions. Elle se doutait que je n'avais pas changé de religion sans réfléchir et voulait me questionner sur mes nouvelles convictions. Ainsi,
Je lui ai raconté ce qui m'avait poussé à me convertir à l'islam, de point de mes lectures à mes méditations. Je lui parlais du ciel, des nuages, de la pluie, du soleil que j'observais chaque jour se coucher sans qu'aucun être humain ne puisse l'arrêter, de cette lune si belle qui nous éclairait la nuit. Je lui parlais de la mort, de la maladie, de cet avenir incertain. Elle m'écoutait avec attention. Je la sentais à la fois intéressée et dépassée. Je lui ai demandé, ça ne te parle pas à toi toute cette perfection? Nous sommes si petits et si impuissants face à cette nature immense et fascinante. Son regard s'est perdu dans le vide, puis elle s'est tournée vers moi. C'est vrai, tout ce que tu dis, bien sûr que je ne peux qu'acquiescer. Mais tu vois, moi, dans ma petite vie, je n'ai pas le temps de penser à tout ça. J'aimerais, mais le travail, le mari, les enfants, les amis. Silence. Moi aussi, j'avais vécu à 1000 à l'heure. Diams dit, silence, la femme n'avait plus rien à dire et à apporter. Moi aussi, j'avais vécu à 1000 à l'heure. Au fil des années, j'ai eu de nombreuses fois ce genre de discussion avec des personnes de tous bords pour souvent aboutir au même constat. Les gens n'ont pas le temps, on ne le prenne pas pour méditer. On accepte la vie comme elle vient, sans se questionner sur son sens. On se lève chaque matin, on mange, on boit, on marche, on court, on travaille, on pleure, on rit, on meurt. On court sans cesse, et rien ne nous ralentit, pas même les rides qui apparaissent doucement. On achète une crème rajeunissante, en espérant qu'elle tiendra ses promesses. Si ça ne marche pas, on se procurera une autre, plus coûteuse, car rien n'est trop cher pour oublier que la fin approche. On passera même entre les mains du chirurgien s'il le faut. Vous avez vu les ravages là, des chirurgiens, de la chirurgie satanique sur les gens qui veulent la jeunesse éternelle. On passera même entre les mains du chirurgien s'il le faut. Il nous rendra notre jeunesse, il nous l'a promis. Attention, il nous l'a promis. Pourtant, notre heure est fixée. Nous avançons vers elle, inexorablement. Nous sommes tellement accaparés par nos obligations sociales, familiales, emportés par la spirale de cette société qui en exige toujours plus. Chez soi, une autre spirale nous rattrape, celle des divertissements, qui ne nous laissant que peu de répit pour méditer sur nos existences. Rares sont les foyers où la télévision ne remplace pas les discussions familiales. On se retrouve face à des programmes toujours plus futiles, toujours plus abrutissants. Ces dernières années, je me suis éloigné de la télé. J'ai découvert qu'on pouvait avoir son propre regard, forger sa propre perception des choses. Et alors qu'auparavant, il n'était pas rare qu'elle soit allumée toute la journée. Aujourd'hui, je préfère choisir mes programmes et ne plus la laisser voler mon temps. Le temps. Durant le mois de Ramadan, inventé par Mohammed. Imaginez. Donc, toutes ces réflexions, toute cette pureté, toute cette bonne et belle philosophie qu'elle a tirée de Ramadan, c'est un homme qui l'a mis en place. Avec une tonne de choses qu'elle a mis en place, que je vais vous expliquer au fur et à mesure dans la série Les miracles de Mohammed. Durant le mois de Ramadan, il semble passer différemment. Il semble passer différemment. C'est comme si on arrêtait de courir. On ne mange plus, on ne boit plus, on délaisse les plaisirs charnels. C'est comme si on oubliait la vie matérielle pour se concentrer sur son âme. Pas facile au début de penser à autre chose qu'à boire et à manger. Mais avec l'habitude du jeûne et la compréhension des bienfaits qu'il doit procurer, un jour on y arrive. On parvient à oublier les besoins de son corps pour se pencher sur les besoins de son âme. On trouve même un plaisir et une force à jeûner. Oui, je sais, cela doit être difficile à comprendre pour celui qui ne l'a jamais pratiqué. Mais il y a énormément de musulmans qui apprécient de jeûner et qui attendent impatiemment le mois de Ramadan. Oui, actuellement, on jeûne 18 heures. Imaginez. 18 heures. 17-18 heures. Et
On le fait avec un bonheur ultime et on veut que toute la vie se transforme en Ramadan. Et on est triste dès que la fin approche. Subhanallah. Durant ce mois, j'aime recevoir du monde ou répondre aux invitations à dîner. La rupture du jeûne avec mes amis me met tant de baume au cœur. Dans un passé où la folie m'a harcelé, j'ai fait la triste expérience de ne plus recevoir beaucoup d'appels une fois à la clinique psychiatrique. Et quand toi-même tu n'as plus la force d'appeler, tu finis par te retrouver bien seul. Entre deux albums, j'avais également beaucoup moins d'amis. Je ne voudrais pas que les quelques-uns qui m'ont soutenu s'imaginent que j'ai oublié. C'est juste que les présences étaient rares. On a du mal à croire qu'en étant une célébrité, on puisse vivre cela, mais c'est bel et bien le cas. Après la sortie de mon dernier album et avec le scandale de mon voile, plus personne ne sonnait à ma porte. Je n'allais plus dans leur intérêt, probablement. Différente et avec de nouvelles valeurs, je ne serais plus le pantin de personne. Je souhaitais une vie plus simple et ne voulais plus jouer le jeu de la star, celle qui fréquente les gens et les lieux branchés. Tous l'ont bien compris. Il s'avère que certains aimaient plus Diams que Mélanie. Je n'oublie pas que moi aussi j'étais devenu comme ça. Je regardais chez les autres ce qui pouvait me profiter. Auprès de mes amies croyantes, je découvrais des relations tout autres. Attention, je n'idéalise pas tous les musulmans. Je sais bien que la noirceur de l'âme peut toucher n'importe qui et qu'un monde parfait n'existe pas. Mais Dieu m'a accordé des amis intimes que je chéris au plus profond de moi, qui m'ont toujours soutenu, écouté et secoué aussi quand j'en avais besoin. Les premiers temps qui ont suivi ma conversion, je craignais qu'elle ne soit si gentille avec moi que parce que j'étais Diams. Mais j'ai constaté qu'elle agissait avec moi comme avec n'importe laquelle de leurs amis. Une telle m'appelait pour visiter, une telle qui était malade. Une telle me sollicitait pour aider une telle à déménager. Elle m'avait fait une place dans leur vie. Dieu avait mis des perles sur mon chemin et leur amitié était sans condition. Elles donnaient sans rien attendre en retour. Aujourd'hui, elles font partie de ma famille. Quelle grâce j'ai eue dans mes épreuves de les avoir à mes côtés. Parfois, l'amour d'une amie, une seule, vaut plus que des milliers de connaissances vaines et hypocrites. J'avais appris avec elle que les croyants se soutiennent les uns les autres, comme les briques d'une construction, et que la meilleure œuvre auprès d'Allah est de faire naître la joie dans le cœur de son frère. Une parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est exactement ce que je ressentais chaque soir de Ramadan où nous étions réunis dans une fraternité qui m'était jusque-là inconnue. Donc imaginez toutes ces belles choses, tous ces bons ressentis, toute cette belle sensation, toute cette évolution de l'âme, toute cette obésité de l'âme en bonne chose, en apaisement, en sérénité, en douceur. Alors que des gens qui n'arrêtent pas de manger, qui n'ont pas arrêté de donner libre cours à leur corps, aujourd'hui se trouvent laids, ils sont suicidaires, ils sont dépressifs. Subhanallah. Le Ramadan, donc c'est exactement ce que je ressentais chaque soir de Ramadan où nous étions réunis dans une fraternité qui m'était jusque-là inconnue. J'espère que Dieu ne me privera jamais de ces amis que j'aime tant. Le Ramadan s'est achevé par la fête de l'Eid qui a été un grand moment de joie. Ma mère et de très nombreuses copines sont venues partager avec moi un bon repas. Nous nous sommes toutes offertes des cadeaux. Le Ramadan s'en allait et avec lui cette ambiance si particulière, fête de piété, de prière et de réunion fraternelle. Le Ramadan s'en allait, et avec lui cette ambiance si particulière, fête de piété, de prière et de réunion fraternelle. Diams, dans son deuxième livre. Comment, expliquez-moi, comment un homme a pu influencer à ce point des gens qui sont venus 1400 ans après lui? Comment un bédouin qui a existé à une époque si lointaine, qui illettré, qui ne lisait pas, qui n'écrivait pas, a pu
mettre en place beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, subhanallah, qui continuent à renouveler, à jaillir sur la vie de milliards et de milliards de personnes depuis sa mort, depuis son avènement comme prophète jusqu'à aujourd'hui, et ça va continuer jusqu'à la fin des temps. Expliquez-moi comment, s'il vous plaît, parce que moi je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes rationnel, vous êtes brillant, vous vivez dans la quatrième puissance mondiale, et vous vivez partout dans le monde, les amis. Expliquez-moi comment. J'en ai besoin. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, et surtout, vous en avez besoin.